Deuxième. Équipage à se ranger, numéro 8, Corgis. Numéro 34, Bishop Neff. Numéro 35, équipage de français. Au départ, Chevalier de Blanche. Jean-Yves, ils sont au rendez-vous. Les Suédois se défoncent. Regardez-les là-bas avec les casques blancs et les jaunes vêtus. Ils sont quand même dans le panier de Barabino. C'est dire si nos tricolores ont besoin de nos encouragements. C'est tout devant là-bas. Alors que dans le vélo sont choc reconquis, c'est-à-dire au bilan de l'air, la femme de la volée maintenant, l'équipage de l'hiver, sortit bien. Voilà, Corgis là-bas, vous l'avez reconnu. Derrière, casque blanc, maillot rouge, Barabello. Et toujours porté par la foule au milieu. Encouragé par les forces tricolores. Bondi, Corgis. Et derrière, numéro 14. Thank you.
position, les Suédois sont de plus si loin. Quatrième, numéro 5, les Estoniens Sorik, l'expert. Et enfin, en cinquième position, numéro 2. Alors, nous avons décroché il y a deux ans. Derrière, pas de changement, numéro 8, sorti de jeu, numéro 3 sur la piste d'Ivoine, numéro 5, Boris, 5e, Sergi. Troisième numéro 2, Sergis Van Wiel. Quatrième numéro 5, Van
tu as fait du temps, parce que tu as un bar, un peu devant. Et puis derrière, dans le cadre, tu as un vide pour te faire remonter. Des circuits, bon, ça, en France il en connaît beaucoup, et pour lui il connaissait pas du tout Toulon sur Arroux, et il a trouvé ça super bien et une très bonne réussite, quoi. Qu'est-ce qu'il pense de la victoire des Français? Alan, what do you think about the first race? De compagnie, ce départ, 15 secondes de musique. Troisième numéro 8, Corvus Jacques et Barabello. Roland numéro 11, deuxième. Roland qui a un petit problème en première lance. Roland Stade. Bien, Jean-Mise, il n'est pas là. La table là-haut. Weninger, Van de Wiel, deuxième du groupe B hier, septième du championnat du monde de l'année dernière, quatrième du championnat du monde en 98, deuxième du championnat du monde en 80 l'année dernière. Sacrée carte de visite, Jean-Mille. Oui, c'est vrai qu'il a une bonne carte de visite. Bon, je suis allé le voir entre les deux manches, hein, et puis je vais demander pourquoi il s'est passé. Il m'a dit bon, il n'a pas pris un très bon départ, il n'arrivait pas à rentrer dans le rythme. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait un... Bon, il n'était pas dans les tops, quoi, la première manche. Et apparemment, là, il a pris un super départ, mais... Si tout va bien, je pense qu'il va aller beaucoup comme ça. Donc il a progressé beaucoup le... Gilles, toi que tu as été un sacré coureur, vous dites pas ici au passager, c'est un course. Non, pas du tout, chacun conduit des petits regards qui sont en cours pour justement remédier à sa position. Je ne regarde pas, parce que ça va pas, mais simplement... Le virage du monde, la main côté assez général. Cercle remonte, Sergis 20 000. Oui, Sergis 20 000, on se retrouve 8e maintenant. En place. Sergis, juste derrière Beaumont. Regardez la bagarre avec Barabello, allez! Le virage au sort, oui. Alors que Klaus et Thomas les harcèlent de toutes parts. Barabello qui résiste. Donc là c'est un petit peu le problème parce que Barra donc son soutien à droite et derrière Weman à gauche, donc il était un peu mutilé, mais maintenant je retrouve à droite. Donc c'est un petit peu en mission plus tard, on va dire dans les années 75, au début du Sidecar. Donc il n'y a pas d'explication. Favorable. Bon, souvent on s'était dit que les gauches étaient plus favorables du circuit parce qu'il y en avait moins, donc ça creusait moins les gauches. La merci, M. Messel, pour les gauches. Volcaire, 15e.
sont restés coincés, ils sont repartis en deuxième position, c'est donc Boric Laxer, numéro 5 qui vient de prendre la tête, derrière en troisième position, numéro 4, Claude Thomas-Ruman, ça relance la course, puisque nous avons les trois équipages de Roudin-Roux maintenant, nous avons le 8, Fort du Jacques, et la Ravelo dans le coup aussi. Comme quoi un sport mécanique, Jean-Yves, hein, à chaque tour. C'est vrai que j'aime bien. Faire tous les trois. Le virage égal. Les abandons se succèdent dans cette deuxième manche. Le trio de tête là-bas au fond. Fabien, bien arrivé. Regardez le trio de tête à la montée, France et Kikoma. Serré. Alors que la jonction est faite entre les Français et Serre, 10, 20 000. Attention là-haut. Ça va être dur pour nos tricolores pour conserver la cinquième place. Pas de changement, mais la deuxième place est sauvement discutée. Hein. Avant service, 20 000 dans le panier, le virage là-bas. La table, vous pouvez les encourager tous les trois. C'est le spectacle qui nous offre là. Wiman numéro 4, numéro 5, Toric. Numéro 7, Winger. Un peu plus loin, numéro 8, Corvid. Viennent de doubler le français. Viennent de passer en deuxième position. Vont-ils retrouver la première place? Rappelez-vous, ils ont dominé la première partie de cette deuxième manche. Avant de faire une petite pause. Vont-ils la reprendre cette première place? Regardez la sortie au centre du circuit.
Attelage Roudin Roux, toujours numéro 4 Corse de Thomas Bremen, toujours numéro 7 Renninger en fin de ville, l'épingle au pied de la tour. Come on, 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 come on